Salut à vous tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Dominique Bertaille pour sa bande dessinée Madeleine Résistante du côté du festival Bénéfile à Lausanne. Cette bande dessinée a été réalisée avec Jean-David Morvan et Madeleine Ruffo aux éditions Dupuis. Moi, je suis contentée de le vivre. Dominique Bertaille, bonjour. Bonjour. Après avoir bossé avec plusieurs scénaristes, donc je cite Ghost Money avec Thierry Smolderen, avec Zep, pour 2019, voilà une nouvelle aventure avec Morvan. Et en même temps, Morvan et Ruffo. C'est vrai que c'est une superbe claque, c'est un superbe album. C'est Madeleine Résistance. Ouais. Comment est née Madeleine Résistance ? Elle est née déjà de la vie de cette Madeleine en question, qui est assez palpitante. Et Jean-David Morvan regardait la télé il y a 4 ans, je pense, et il est tombé sur un reportage sur trois résistantes, et dont Madeleine Ruffo, et Jean-David a un petit peu scotché sur son parcours et sur la personnalité de Madeleine. Et il a tout fait pour la contacter, il a réussi à l'avoir au téléphone et lui a proposé de raconter sa vie en BD. Ce qui au début, fatalement, n'était pas la première chose qui lui serait passée par l'esprit, parce qu'elle a 97 ans aujourd'hui, donc elle n'a pas été énormément nourrie de bande dessinée, à part le Sapeur Camembert, donc ça lui a paru un peu farfelu. Et puis un ami à elle qui est réalisateur, Jorge Amat, qui avait fait un reportage sur elle déjà, lui a dit, non, il faut accepter, toi Madeleine, t'as envie de témoigner auprès de la jeune génération de ce que c'était que cette époque-là, de rétablir des vérités et de dire que c'est important de lutter pour ses convictions. Si tu veux leur parler, il faut le faire en BD. Et puis en plus, Morvan, c'est pas non plus le dernier, il est quand même très réputé dans son travail, c'est un boss, vas-y, accepte. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, et Jean-David a rencontré Madeleine, il a fait énormément d'interviews, des heures et des heures d'interviews pour la faire raconter. Et puis, il avait en tête mon dessin quand il entendait tout ça. Et puis, on avait déjà fait un bouquin ensemble. On savait qu'on s'entendait bien, qu'on se connaissait. Et il m'a proposé de se lancer dans l'aventure. Et moi, j'étais pas forcément à fond parce que j'aime pas les biopics. J'aime pas trop quand on raconte la vie de quelqu'un qui est pas là. J'aime pas trop les bandes dessinées didactiques, a priori. Mais il a quand même insisté, il m'a présenté Madeleine. Et Madeleine, pendant les trois premières heures où on s'est vus, c'était à minuit, je sortais d'une séance de dédicace dans le Marais, sur Mondo Reverso, qui vraiment n'a rien à voir. Et puis, elle m'avait dit de m'appeler si jamais je sortais tard, parce qu'elle habitait à côté. Et je me suis lancé, je l'ai appelé, et j'ai dit, Madeleine, voilà, je suis libre. Monte, j'ai préparé des pâtes, viens, monte. Et je suis monté la voir, et là, pendant 3 heures, elle m'a raconté toute la période de sa détention à la Gestapo. C'était une introduction un petit peu particulière quand même. Mais elle le racontait avec un tel talent de raconteuse d'histoire. C'était vraiment Scheherazade qui capte l'attention. C'était passionnant, extrêmement touchant. J'étais au courant du dixième de ce qui se passait. Et puis à l'issue de cette longue soirée, je suis parti à 2h du matin, c'était une évidence que c'était impossible de ne pas faire cet album avec elle. Et puis voilà, à partir de là, on a commencé à travailler. Mais c'est vrai que c'est génial, parce qu'en même temps, c'est un grand pavé d'histoire, et c'est fractionné en plusieurs chroniques, on a presque envie de dire ça. C'est-à-dire qu'on a l'enfance avec ses trois amis d'un coup, qui décident de démonter un obus, et l'obus explose. Après, on va raconter l'histoire d'Oradour. Et c'est vrai que tant on a quelqu'un qui a vécu ces choses-là, comme tu as dit avant, en fait, c'est quelqu'un qui vit encore. Donc, si tu as des questions à poser, tu peux travailler avec elle. Oui, et puis c'est elle qui raconte. On est vraiment, c'est co-écrit avec Jean-David, et elle raconte très bien. Et c'est vraiment un récit de première main. Alors nous, on l'aide avec notre savoir du médium, du médium de bande dessinée. Mais c'est avant tout elle qui raconte. Parce qu'en même temps, on découvre quelqu'un qui a vécu ça, et je trouve que c'est un superbe fil rouge. Et en même temps,
Est-ce que c'était dur de raconter? Parce que c'est sa vie, et elle a vécu des choses horribles avec la Gestapo, avec dans son histoire. Est-ce que c'était dur de retransmettre en fait en dessin ce qu'elle avait vécu? Non, c'est pas la partie la plus dure. La partie la plus dure, je pense, c'est pour elle de laisser la porte ouverte à ses souvenirs à remonter à la surface. Elle les avait vraiment mis sous le tapis pendant des années, parce que c'est un peu un des symptômes des chocs traumatiques, enfin des traumatismes, c'est que c'est l'oubli de mettre sous le tapis tout ça. Et là, elle laisse remonter tout à la surface, et c'est assez douloureux pour elle. Donc c'est pas le plaisir de se raconter elle-même, c'est un vrai combat. De rester en vie, de se rappeler tout ça pour pouvoir témoigner. Donc ça, c'est une partie beaucoup plus dure que le fait de le dessiner. Le dessiner, après, c'est pas si dur que ça, dans le sens où moi, je me laisse porter par l'histoire. Le plus dur, c'est de créer un personnage qui soit vraiment incarné, qui soit vivant. J'avais pas envie de dessiner Madeleine d'après photo en essayant de la faire ressemblante, mais comme si je dessinais quelqu'un d'autre. En bande dessinée, si on veut que le personnage vive et soit incarné, il faut qu'on ait la sensation que c'est un alter ego de nous-mêmes, comme quand Hergé dessine Tintin ou quand Toriyama dessine Son Goku, quoi. Et donc là, l'opération la plus dure, c'était d'ingérer un petit peu le personnage de Madeleine et la personnalité de Madeleine et de la faire la recréer pour la rendre vivante, tout en n'oubliant jamais que c'est elle que je dessine et que c'est elle que je raconte. C'est sans doute l'opération la plus délicate à faire, et d'ailleurs je suis très touché de la confiance qu'elle me fait, parce que c'est pas rien de laisser quelqu'un s'emparer d'une image pour faire un personnage. Et après, tout ce qui est historique, c'est du travail, un énorme travail de recherche, mais c'est pas la partie la plus compliquée. Et c'est vrai que dans ce premier album de Madeleine Résistante, ce qui est impressionnant, c'est qu'en même temps, on parle de la guerre, d'histoires horribles, mais il y a son amour pour son grand-papa qui est impressionnant. Donc il y a plein de tendresse, il y a un mélange de tout. Oui, bah, c'est l'intérêt de la vraie vie, contrairement à la fiction. La fiction, si on veut raconter une histoire dramatique, on va avoir tendance à ce que toutes les scènes soient dramatiques, alors que là, c'est la vraie vie. Donc il y a de la tendresse, il y a de l'humour, il y a de l'amour, et puis il y a de l'extrême cruauté, le mystère de la cruauté des hommes. Et puis c'est aussi un roman initiatique, elle grandit, c'est son adolescence, sa construction en tant qu'être humain qui va se poser la question de savoir de ce que c'est que de vivre, si c'est agir sur le monde ou si c'est subir le monde. Il y a énormément de manières de raconter cette vie-là, du film d'action en passant par le roman d'initiation et le récit intimiste. Et c'est vrai qu'il n'y a que le réel qui peut proposer ça. Nous, on ne serait jamais permis, par exemple, de mettre de l'humour si on ne la connaissait pas et qu'on ne connaissait pas son humour et qu'elle ne le racontait pas avec humour. Ça serait quelque chose, on n'aurait pas eu beaucoup de légitimité de le faire. Là, on l'a. Et c'est ça qui est magique pour nous. Raconteur d'histoire en bande dessinée, on se prend une leçon quand même d'écriture par une grande dame qui écrit depuis qu'elle a 14 ans. Elle écrit, c'est quand même une grande poète. Ses premiers bouquins, c'est Éluard qui les a repérés, qui voulait les publier. Elle était très proche d'eux, elle a écrit beaucoup de poésie, elle a écrit des best-sellers de ses reportages en Algérie et au Vietnam. C'est quelqu'un qui raconte extrêmement bien, donc on apprend aussi avec elle. Donc c'est pas juste un témoignage, c'est plus que ça. Et pour moi, cette bande dessinée, pour moi, c'est comme un grand film, parce que le découpage est impressionnant, c'est-à-dire qu'on avance cadence par cadence. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est en fait le trait du dessin, et en fait, travailler avec la couleur bleue, j'ai l'impression que c'est en même temps, c'est pour adoucir en fait la violence de la guerre. Sans doute, il y a de ça, il y a une multitude de raisons. Il y a aussi le fait que les images qu'on a de cette époque-là dans la mémoire collective, c'est des images noir et blanc, parce que c'est les photos qui ont été prises à cette époque. Et si j'avais dû le mettre en couleur, j'aurais dû utiliser comme référence les photos couleurs de l'époque, et qui se trouvent, c'est les Allemands qui avaient les pellicules Kodachrome, et donc j'aurais dû me référer aux photos allemandes pour raconter la résistance. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, il se trouve que juin 1944, le moment de l'insurrection, qui sera le troisième tome de ça, mais quand même le cœur du sujet, ça a été un été caniculaire à Paris, assez paradisiaque au point de vue de la météo. Donc il aurait fallu dessiner des ciels bleus, des arbres verts, des belles pelouses vertes,
Et c'était complètement antinomique avec la dramaturgie de ce que vivaient les Parisiens, de ce que vivaient les résistants. Donc j'aurais trimballé comme un boulet la couleur, alors que d'habitude c'est un outil pour raconter, que j'adore, en plus j'adore la couleur. Mais là, ça, j'aurais été embêté à chaque fois, donc j'ai préféré opter pour une forme de noir et blanc. Puis en plus, je suis très influencé par le cinéma français des années 40. Et voilà, toutes ces raisons-là, en fait, que je vais vers le noir et blanc. Et je ne voulais pas non plus un noir et blanc, parce que je trouve ça un peu aride. Ça fait des camaïeux de gris qui sont un peu durs, un peu froids. Alors que ce bleu donne une lumière assez irisante. C'est un bleu qui, quand il est posé à côté du blanc, ça fait vibrer le blanc. Il est plus lumineux que le blanc. Et aussi, c'est une couleur que je peux décliner jusqu'au sombre. Et au sombre, il va quasiment vers le noir. Donc j'ai toute une palette de camaïeux que je n'ai avec aucune autre couleur. Et je trouve que ça apporte une beauté, une force au dessin qui est impressionnante. Ben oui, j'ai l'impression, moi-même je le ressens, parce que étant donné que je bosse à peu près une dizaine d'heures par jour sur mes pages, c'est important aussi pour moi de m'être agréable à l'œil quand je dessine. Et ça a l'air bête, mais j'aime bien quand je fais un dégradé, un beau dégradé bleu à l'aquarelle sur du papier, ben, il y a un côté... un peu SMR ou Feng Shui qui est agréable, ce bleu qui est... c'est aussi un spectacle pour moi de faire ces pages-là, quoi. Et voilà, donc c'est voilà, toutes ces raisons qui font qu'il y a ce bleu. Et puis aussi, bah, forcément, j'avais en tête Picasso quand même, parce que quand j'étais... Il y a le portrait de Picasso. Alors là, il se trouve qu'en plus, il y a une résonance à ça, c'est que Picasso avait fait le portrait de Madeleine quand elle avait 20 ans, au sortir de la guerre, et ça a été vraiment une référence pour nous du point de vue visage. En plus, c'est un dessin qui a vraiment un trait, on dirait une couverture de manga avec des grands yeux noirs, une synthétisation du trait comme ça. Il est magnifique, ce portrait. Puis ils ont été très proches avec Madeleine. Jusqu'à la mort de Picasso, ils ont été très très proches. Et quand j'ai fait ces pages bleues, bah pour elle, tout de suite, ça a résonné avec Picasso, et elle a tout de suite vu la période bleue, et ce qui... effectivement, est un peu le cas, parce que quand j'étais adolescent, de voir ces grands tableaux bleus de Picasso, je me suis dit, ah ouais, on peut faire ça, on a le droit de faire ça. Et ça a l'air bête, hein, mais ça ne tombe pas sous le sens quand on est ado. Et donc, je n'ai pas forcément pensé au moment où j'ai commencé à les faire, mais par contre, je sais que la porte était entrouverte. Et ça, c'est grâce à Picasso qu'elle est entrouverte. Et je trouve cette série, c'est un superbe hommage, en fait, à la Résistance. Et comment est-ce que Madeleine a découvert le premier tome ? Comment était sa réaction ? Ah ben nous, on avait un peu la trouille, parce qu'on l'a publié d'abord en pré-publication dans des fascicules souples. Et le premier, c'était un peu important, parce que c'est là où elle allait nous adouber ou pas, quoi. Mmh. Et Dieu sait qu'elle a envoyé bouler plus d'un biographe, plus d'un journaliste. Donc on était dans nos petits souliers. Et puis, alors elle ne pouvait pas le lire, parce qu'elle a des soucis de vue. Et donc, c'est un ami à elle qui est dramaturge et qui sait raconter et qui lui a lu en lisant les dialogues et en décrivant les cases. Et elle a été emballée. Elle a trouvé que c'était exactement qu'on avait réussi à retrouver le ton de son ton à elle et ce qu'elle voulait dire. Et à partir de là, elle nous a fait une confiance totale et elle s'est encore plus... ouverte intimement sur ses souvenirs. Donc là, on était forcément touché et soulagé. Voilà, donc on est une équipe. Ça lui rappelle un petit peu, c'est ce qu'elle nous dit, ça lui rappelle ses équipes quand elle était dans la Résistance. Alors pour moindre échelle pour nous, hein, mais on est quand même avec Jean-David, avec Héloïse de la Maison qui travaille avec Jean-David et qui fait un énorme travail de recherche, de retrouver ses poèmes, de faire toute une recherche historique, de documentation et tout. Et tous les quatre, on a vraiment la sensation d'être ensemble à raconter ça. C'est une très belle aventure, en plus que le bouquin lui-même. C'est la construction de cet album est une vraie aventure. Puis moi, je vois la relation de Jean-David et Madeleine, et c'est très beau, parce que c'est... on a l'impression que c'est entre une amie et une grand-mère adoptive, un mélange comme ça. Il est très intentionné, et puis il aide à faire remonter toute cette mémoire. C'est très beau à observer et à faire partie de ça.
Et ça se ressent dans la bande dessinée, parce que c'est impressionnant. On voit que c'est du vécu. Et si je ne me trompe pas, ce sera une trilogie. Alors, ça, c'est, ouais, c'est une trilogie pour ce qui touche à la résistance et à la sélection de Paris. Et puis après, bah, en fonction de si ça marche assez ou pas, de voir pour qu'on puisse faire la suite. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, faire le raconter. Ensuite, la deuxième partie de sa vie, qui est toutes ses aventures de grand reporter et de chantre de la décolonisation en Algérie, en Indochine. Mais apparemment, ça a l'air de plutôt bien marcher et d'intéresser les gens. Mmh. Donc, je pense qu'on pourra après décliner et en refaire quatre autres derrière. Parce qu'il y en a aussi un qu'on voudrait faire sur l'après-guerre et sa rencontre avec Picasso, notamment, Éluard, Aragon, toute cette bande de l'intelligentsia parisienne juste d'après-guerre où les choses se reconstruisent et dans laquelle elle était complètement mêlée, vraiment axée aussi sur la littérature, parce que c'est important pour elle. Et puis après, son départ au Vietnam. Donc c'est une épopée. Et moi, ça tombait bien, en fait, ce projet, pour moi, d'un point de vue d'auteur de BD, entre guillemets. C'est que je rêvais de faire une fraise. J'avais envie de faire mon Blueberry ou mon Tintin. Et je ne trouvais pas de héros, de vrais héros. Et puis là, Jean-David me présente Madeleine et m'amène sur un plateau, une destinée qui est une vraie héroïne, sans second degré, sans distance, juste quelqu'un qui se bat pour défendre ses convictions. Et j'avais envie de me lancer dans une grande fresque romanesque et d'aventure, et littéraire en plus. Donc voilà, tout était réuni. Donc effectivement, je me sens porté par le projet. Et c'est un beau projet en même temps. Et c'est un beau projet, c'est un très beau projet. Chaque album, je suis pressé de le dessiner parce que je sais tout ce qu'il va falloir mettre en scène et je sais que ça va être de mieux en mieux jusqu'à la fin. Donc je n'ai aucune inquiétude. Souvent, c'est un peu une angoisse ça, de se dire si on part sur 6-7 albums, on se dit oh là là, ça va être 10 ans de travail. Mais là, ça paraît tellement évident que ça va être passionnant que je n'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. Super, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Puis au plaisir de vous recroiser. Bah, au deuxième, j'espère. Avec plaisir. Avec plaisir. Beaucoup.